Comment déstresser avant une compétition? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, si tu aimes, tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous, comme ça tu es sûr de ne louper aucune vidéo. Et puis tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de vidéos si tu aimes. Et aussi, tu regardes dans la description, il y a des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe. Alors comment déstresser avant une compétition? Parfois, tu arrives en compétition, tu t'es entraîné des dizaines d'heures dans la semaine et tu arrives, et ben, tu perds tes moyens. Tu n'es pas au maximum de ton potentiel, tu as le cœur qui bat un peu plus vite, les mains qui tremblent, les gestes ne sont pas fluides et tu n'arrives pas à donner le maximum de toi-même. Alors, pour cela, je vais te donner un exemple tout simple qu'on avait fait avec une sportive en équitation qui arrivait à chaque fois en compétition alors qu'elle a du potentiel. Bah, souvent, elle faisait des erreurs en compétition qu'elle ne faisait pas à l'entraînement. Pourquoi? Parce que quand elle arrive en compétition, eh bien, c'est comme si en fait, il y avait le regard des autres, la peur de décevoir les autres, la peur de l'échec, comme si tout cela, eh bien, ça allait être la fin du monde pour elle. Alors, je sais que quand on s'entraîne des dizaines, des centaines d'heures, enfin déjà des dizaines d'heures par semaine, je sais que ça peut paraître dingue de dire « mais attends, c'est pas la fin du monde » alors qu'on met toute notre vie dessus quand on est sportif sur cette compétition. Et pourtant, rassure-toi, en fait, plus tu vas mettre ton objectif sur un piédestal en mode « si j'ai l'objectif, alors je vais être heureux », eh bien tu seras toujours un esclave de ton objectif. Pourquoi? Parce que tu vas te minimiser par rapport à ton objectif. Et le message que j'ai envie de te dire aujourd'hui par rapport à cette vidéo, et c'est ce qu'on a fait avec cette sportive qui d'ailleurs a juste explosé, c'est que tu es bien plus que ton objectif, tu es bien plus que le résultat extérieur. Sauf que plus tu vas focaliser le résultat extérieur comme une finalité, plus, comme je viens de le dire, tu vas être esclave, toi, plus tu vas te minimiser et plus ton estime de toi et ta confiance en toi va dépendre de tes résultats extérieurs. Et tu es contre un ordre naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu cherches à avoir pour, par exemple, te prouver que tu es quelqu'un de bien. Tu cherches à avoir un résultat pour que les autres soient fiers de toi. Mais là, tu prends les choses à l'envers. Parce que tu es un être humain. Tu n'es pas un faire humain. Tu n'es pas un avoir humain, mais tu es un être humain. Et donc, c'est d'abord que toi, tu es excellente, peu importe les résultats extérieurs. Et donc, avec cet athlète, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait vu tous les inconvénients à avoir du coup cet objectif et tous les bénéfices de ne pas avoir cet objectif. Et on l'a tellement fait qu'à un moment donné, elle a vu qu'elle était bien plus que son objectif et que finalement, avoir le résultat, bah, ça allait être la cerise sur le gâteau ou même le fruit de qui elle était et non pas l'inverse. Et donc, en se focalisant ensuite uniquement sur elle, devenir de plus en plus excellente à long terme, alors eh bien, elle a pu, entre guillemets, reprendre son pouvoir. C'est souvent ce que les athlètes du programme High Performer Academy disent, c'est que ouais, là, on a repris notre pouvoir, nous ne sommes plus esclaves de notre objectif, mais nous sommes maîtres maintenant de ça, on s'en sert pour devenir. Et du coup, elle a pu, à long terme, redevenir vraiment meilleure et à reconnecter à cette foi qu'elle était bien plus que son objectif. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu veux maintenant déstresser avant d'arriver en compétition, bah, rappelle-toi que l'objectif extérieur est simplement un moyen pour toi de devenir quelqu'un à très long terme et qui va bien plus loin de ton objectif. En faisant ça, tu seras plus esclave de ton objectif extérieur, mais t'en seras maître. Donc voici pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, alors tu réserves un entretien qui est offert avec un coach de l'équipe. Tu trouveras le lien dans la description là et on verra ensemble où tu en es, le point A aujourd'hui, où tu veux aller, le point B, ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut faire sauter tout ça très rapidement. Et sinon, bah, retrouve-moi sur d'autres vidéos et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !